Bonjour, bonjour. Olu J.P. Koukoï, ingénieur à Z Motors. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la mobilité électrique. Mais avant de commencer, il faudrait qu'on clarifie une situation qui pourrait perturber notre compréhension de ce qui est du transport, que ce soit par l'énergie fossile ou l'énergie hydroélectrique, l'énergie solaire. Il y a des cas de figure où l'adoption d'une moto à essence ou d'une voiture à essence fait plein de sens. Il y a des contextes, des réalités dans lesquelles l'utilisation de la moto électrique ou de la voiture électrique est plus rentable. Donc, à Z Motors, nous ne voudrons plus que les gens essaient de comparer et la nouvelle technologie qu'est la mobilité électrique avec l'utilisation des motos et des voitures à essence. Il y a certains qui vont accepter, adopter les motos et les voitures à essence. Et il y a des cas de figure, des réalités dans lesquelles certains vont préférer aller avec les motos électriques, les voitures électriques. Merci.